C'est Mary. C'est complètement fou, le harcèlement. Voir le viol, il est partout. On vient de découvrir que pour réussir dans le cinéma ou le show business, il fallait coucher. C'est horrible. Alors évidemment, elles cèdent, les stars. Il y a des stars qui cèdent. Et après, elles deviennent connues. Alors comme elles sont connues, 10 ou 20 ans après, elles se rappellent qu'elles ont été harcelées. Alors j'appelle les médias, parce qu'elles ont accès aux médias, puisqu'elles sont stars. Alors que si elles avaient refusé, si elles avaient résisté, par exemple, eh ben elles n'auraient pas accès aux médias. Ce qui est pas grave, puisqu'elles n'auraient rien à raconter. C'est complètement fou. Même dans la politique, il y a du harcèlement. Il y a du harcèlement, il paraît, dans la politique. Tu peux très bien réussir si tu couches en politique. Alors, tu réussis pas forcément en politique, hein. Tu peux très bien te faire violer dans un hôtel à New York et puis après t'offrir un restaurant, par exemple. Et au Québec, le pauvre Québécois, on lui a supprimé toutes ses émissions. Ah bah, c'est juste pour rire. Oh, d'accord, c'est rigolo. Aïe, mais ça picote quand même. Et bah, on lui a supprimé ses émissions. Alors que si t'es star et que tu cognes des hôtesses dans un avion, par exemple, et bah, tu continues à faire du cinéma. Ou même chanteur de rock, et bah, tu peux tuer ta femme, tu continues à chanter quand même. C'est peut-être moins grave. Il est partout, le harcèlement, partout. Même dans la vie courante, au bureau, partout. Même dans la vie courante, par exemple, j'ose même plus aller acheter mon pain. Tu crois que j'ai pas compris le message du boulanger quand il me dit bonjour monsieur, c'est pas du harcèlement ça? Tous les jours, c'est pas du harcèlement? Vous voulez des croissants au beurre? J'ai pas compris l'allusion? Au beurre, les croissants? J'ai pas compris l'allusion peut-être? Et le facteur qui passe tous les jours, c'est pas du harcèlement? Bonjour monsieur, vous avez un recommandé? Un recommandé? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du harcèlement ça? C'est pas du harcèlement peut-être? Tous les jours, j'ai un recommandé? Et même quand je me promène tranquille dans mon jardin, tranquille, bon, tout nu, normal, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? La carotte, c'est ça, c'est peut-être pas du harcèlement, tous les jours elle est là, elle est énorme, elle est de plus en plus énorme la carotte, c'est pas du harcèlement. Le facteur, non, pas le facteur, il est partout le harcèlement, il est partout, non.